bien vivant ici. Ça chante, ça chante, ça chante. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça pousse à la pépinière en ce 11 ou 12 juin. Quelque chose comme ça. Ça pousse bien. Il y a une belle pluie cette semaine, une pluie orageuse, mais une belle pluie quand même, qui a fait du bien. C'est en train de vraiment profiter de cette eau qui est arrivée. Bon, ça allait bien quand même avant, mais c'est vrai que ça a donné un petit coup de boost là. Et puis, on n'a toujours pas beaucoup de chaleur. Hein. On a eu un petit passage de chaleur qui nous a conduit à cet orage, mais globalement, on a encore des nuits assez fraîches. Hein. Même ce matin, là, il fait assez frais, il fait gris. Mais bon, ça va, tout pousse bien, tout est bien vert, tout est bien joli. Du coup, j'avais envie de vous montrer un petit peu la pépinière dans un moment où je suis en train de finaliser le comptage de ce que je vais pouvoir mettre au catalogue. Parce que oui, vous êtes un petit nombre à me l'avoir demandé, à être impatient de le voir. J'avais espéré pouvoir le finir début juin, donc bah, il sera à dispo d'ici quelques jours maintenant. Ensuite, je l'envoie en impression, j'ai un petit peu de retard. Bon, c'est un petit peu le pendant de toute la saison, pris un petit peu de retard sur tout, la saison était un peu tardive aussi, donc finalement tout a suivi. Mais bon, vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde, enfin, j'espère, au moins pour tous les intéressés. Et tout va bien, tout est en pleine forme, tout pousse bien, enfin tout. Il y a forcément des pourcentages de ratés, hein. Vous imaginez bien que ça c'est ce que moi j'appelle du normal de toute façon, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Donc on va faire un petit tour, on va commencer par faire un petit panorama ici sur ma gauche, sur ma zone où j'ai principalement les arbres greffés de cette année. Alors je retourne. Alors pour vous rendre compte, cette zone c'est 8 lignes de à peu près 120 arbres greffés. Donc c'est-à-dire que j'ai à peu près 1000 arbres ici, avec un taux de réussite plutôt élevé. Hein. À gauche j'ai les poiriers, pas mal réussi, les pruniers, amandiers, cerisiers, très bon taux de réussite également. Les pommiers, bon ben il n'y a pas trop de surprise, c'est toujours des très bons taux de réussite. Ça pousse pas mal. Je suis sur du prunier là. Pruniers ont pris 60 cm à peu près. Les cerisiers, je vais peut-être les tutorer pour les faire partir un peu plus droit. Ça c'est un petit peu le truc avec les cerisiers, c'est que ça part de manière très très latérale au départ. Donc c'est faut les redresser un peu. Donc voilà, sur cette zone qui est entre deux haies fixes de saules. Ici j'ai du saule noir, du Salix triandra, le noir de Vilaine, donc pour un saule apprécié hein, en vannerie. Hein. Souvent utilisé écorcé d'ailleurs pour faire le saule blanc, enfin le saule ouais, blanc quoi, sans écorce. C'est en général cette variété là qui est utilisée. Puis de l'autre côté, une autre haie, pareil, fixe, hein, de saule. Alors là, j'ai un mélange. J'ai un mélange avec plusieurs variétés. Par exemple, celui qui est juste là, à côté de moi, c'est un purpurea. Magnifique, c'est pourpre. C'est, le bois est pourpre, le feuillage est vert, mais le bois est pourpre. Et lui, c'est daphnoides, purpurea daphnoides. Voilà, bon, à côté j'en ai d'autres, hein. Juste après j'ai un viminalis par exemple, derrière. Donc ils sont devenus très très grands. Hein. Ça, s'il y a bien quelque chose qui pousse, c'est les saules. Vous voyez, on est donc le 11-12 juin et ils sont plus grands que moi maintenant, les plus grandes pousses du moins. Et puis vous voyez, ah bah, elle est partie, elle est tombée. Je voulais juste vous montrer, il y avait une coccinelle là à l'instant.
Voilà pourquoi j'ai des haies comme ça ici en intermédiaire de culture. Alors ça peut être du sauvage, là c'est de la culture d'osier, mais ça pourrait être du sauvage, comme j'ai un petit peu autrement. Ou des lignes de pied-mère, des haies fruitières. Bah, c'est tout simplement pour avoir des niches écologiques, pour avoir des endroits où bah, tous mes comment dire, mes auxiliaires de culture vont pouvoir se loger, se nourrir, et puis bah, être tranquilles, je ne viens pas les embêter. Donc dans le saule entre autres, mais pas que, dans les orties, dans ce que je laisse en sauvage, tout ça, ça permet à ces auxiliaires de rester là pour pouvoir venir m'aider après derrière. Bon, ce ne sont pas les seules lignes de jeunes arbres greffés que j'ai de cette année. Vous voyez, ici, j'ai poussé un peu les murs, si je puis dire, pour me faire ici deux autres lignes d'arbres également greffés. Donc là, on est sur des pommiers sur M26, petite vigueur notamment. Voilà, donc il y en a 250. Là-bas, j'ai une ligne, je me suis greffé sur place des arbres qui étaient donc déjà plantés de l'an dernier, des porte-greffes. Je m'en suis gardé quoi, une cinquantaine, donc il y a 50 cinquantaine d'arbres pommiers greffés sur franc là-bas à côté. Puis on va se balader, on va continuer de se balader. Alors ici j'arrive entre deux zones. Ici à ma droite, c'était mes arbres greffés l'an dernier avec 10 cm de BRF. Et là où j'ai implanté un engrais vert. Bon, j'ai essayé du moins. Le lin pousse bien, la moutarde, il y a certains trucs qui poussent. C'est pas foufou. Il a fait sec, j'ai pas arrosé, j'aurais peut-être dû. Je suis en train de travailler ça, mes engrais verts, enfin mes couverts végétaux en fait, pour avoir toujours mon sol couvert. Parce qu'un sol couvert, c'est un sol vivant. C'est un sol qui est vivant, qui est protégé. Qui peut être nourri, enfin qui se nourrit en fait de tout ce qu'on lui laisse dessus. Donc il faut du vivant, il faut du carbone, et puis avec ça on a notre sol vivant. Donc bah là, au-delà de ça, au-delà de ce que j'ai semé, j'ai aussi laissé le sauvage repartir. Ça sera une zone qui sera remise en culture dans 2 ans. Donc laissons la nature s'occuper en attendant de continuer à garder ça vivant. Juste de l'autre côté. Donc en parallèle de ma première zone, j'ai une zone où j'ai essentiellement des replantations. Donc en gros, ce que j'ai pas vendu l'an dernier, soit parce que j'ai pas réussi à les vendre, soit parce que je les avais pas mis en vente. Donc j'ai des arbres déjà greffés qui ont poussé ici en pépinière l'an dernier, qui ont été replantés. Et donc que j'ai remis en culture. Donc j'en ai quand même à peu près 4 lignes, donc à peu près 400, ils sont un peu plus espacés ici, presque 400. Alors il y a pas mal de pommiers, essentiellement d'ailleurs, notamment pas mal de pommiers à cidre. Je me suis gardé une série de pommiers à cidre pour cette année en 1 et 2 ans. Il y a des poiriers, il y a des nachis que j'avais gardés également, un peu de cerisier, un petit peu de tout en fait. Donc si vous voulez des arbres de 2 ans que je vous ai taillés pour pouvoir justement ben, faire la taille de la première année, pour faire soit des gobelets, soit des cordons pour les petites vigueurs, enfin des formes palissées, ou alors des moyennes ou des hautes tiges. Voilà. Dans tous les cas, ils ne resteront pas plus dans la pépinière que cette année. Voilà, je ne vends pas d'arbres de plus de 2 ans en racines nues. Et puis dans cette zone, ouais, peut-être un contre-jour, désolé. Le soleil apparaît évidemment. Donc dans cette zone, j'ai également, par exemple ici, des jeunes porte-greffes que j'ai achetés petits, que je replante chez moi pour les faire grossir. Donc j'en ai là-bas tout au bout, j'en ai à peu près 500 qui sont en train de pousser pour greffer l'année prochaine. Donc continue de perpétrer le cycle de création des arbres fruitiers. Allez, je continue le tour, on va dans la nouvelle zone de cette année, celle qui était en désherbage l'an dernier. Alors, vous rappelez, hein, mon désherbage, c'est comme ce que vous voyez derrière là, ça c'est pour l'année prochaine. C'est des grandes bâches que je mets
sur la prairie fraîchement fauchée ou sur un engrais vert. Donc ça sera vraiment dans mon cycle entier, ça sera sur des engrais verts, des couverts. Donc je désherbe. Pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Je suis en train de travailler pour, au fur et à mesure, changer un petit peu ces pratiques-là aussi. Donc on verra. Mais pour l'instant, je désherbe comme ça. C'est pour l'année prochaine. Et donc, ben, qu'est-ce qui se passe après, juste derrière? J'y mets mes boutures. Mes boutures de petits fruits. Donc on va aller voir tout ça. Parce que boutures, ça c'était avant. Maintenant, ben, on a un petit peu une forêt vierge, quoi. Voilà. Là, 5 lignes de cassissiers. 1000 cassissiers. À côté, bon, j'ai un petit peu de désherbage à faire. Vous regardez pas, hein, vous regardez ce qui est propre plutôt. À côté, j'ai un peu de... Enfin, j'ai 3 lignes quand même. Hein, donc l'équivalent de 600. Saule de vannerie, saule osier. Donc avec... ben là, j'ai dû mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variétés à peu près. Voilà. Juste à côté de la casseille. Une ligne intermédiaire ici, c'est des pieds-mères, des futurs pieds-mères. De cognassier avec un petit peu de rhubarbe. Puis là, c'est des goji, juste à côté. Hop, je sais pas si vous les voyez. À côté, on passe sur de la groseille à grappes. Derrière, là-bas, il y a la groseille à macro. Là, j'ai des porte-greffes M106 en bouture. Pareil, il faut que je désherbe. Puis là, c'est des pommiers pour greffer l'année prochaine également. Puis là, encore 2 lignes de pommiers greffés de cette année. Notamment des nouvelles variétés cidre. Je continue ma collection de pommes à cidre. Tant qu'à être dans cette nouvelle zone, ici j'ai une ligne de pied-mer de rhubarbe, tout là. Et puis au bout, je me suis, pareil, j'ai poussé les murs et j'ai des châtaigniers notamment, châtaigniers greffés de cette année. Un châtaignier. Bon, à côté, il y a un peu de désherbage à faire aussi. De retour, c'est pas de la pépinière, hein, c'est un petit peu de potager. Donc ça, c'est notre culture d'oignons. On mange beaucoup d'oignons cet hiver, globalement, toute l'année même, on adore ça. Bon, ça c'est les cassissiers, je suis au milieu. Ils vont bien. On est mi-juin, donc comme je vous disais, le 11 ou le 12. Et bah déjà, les petits fruits sont déjà très très beaux. Donc autant vous dire que en 4 mois et demi de pousse qu'ils ont encore à faire, ça va être encore une fois des monstres. Donc, profitez-en. Hein. Je suis parti voir une de mes variétés de sureau que j'ai en pied-mer pour vous montrer un petit peu la taille des ombelles. Vous voyez ça? Vous voyez la taille de l'ombelle là par rapport à ma main? Beaucoup plus grand que le sauvage, hein, avec les mêmes qualités gustatives et tout, mais vous voyez la taille. Alors pour ceux qui adorent faire des vins de sureau, des limonades de sureau ou des sirops de sureau avec les fruits, ben voilà, des variétés ici qui produisent des ombelles quand même bien plus généreuses que le sauvage, sans renier sur la qualité du fruit ou de la fleur. Est-ce que vous connaissez l'argousier? Alors je ne le multiplie pas encore, je ne sais d'ailleurs pas trop comment le faire pour l'instant, mais j'en ai planté en pied-mer. Voilà, parce que ici, dans la pépinière, j'ai beaucoup de pieds-mères qui me servent de faire des haies fruitières, comme je vous ai expliqué. Et donc, tout autour, j'ai des haies fruitières
Et par exemple, là, il y a un prunier. Tous les 3 mètres, il y a un arbre, de toute façon, sur chaque poteau. Ici, j'ai donc mon sureau. Juste après, j'ai un pommier. Puis entre les deux, j'ai des arbustes. Alors, bon, quelquefois, je les ai un peu serrés parce qu'il y a certains arbustes, comme ici l'argousier, qui devient très grand. Alors, ça a des épines. D'ailleurs, il faut faire très attention, c'est quand même très virulent ces épines. Et elles sont discrètes. Elles sont très discrètes, mais par contre, qu'est-ce que ça pique? Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ça produit également énormément de fruits, et notamment des fruits très très riches en vitamine C. Et vous voyez là, regardez, là où ça produit les fruits. Alors, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. J'espère que je vais réussir à vous montrer ça. Là, c'est des petits fruits. Ils vont devenir jaune-orange. Voilà, l'arbuste ici en est rempli, 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 rempli. Alors, il y a une technique de récolte qui est typique des pays de l'Est, je crois que c'est la Pologne. Pour récolter ce fruit là, donc l'argouse, on coupe les branches, on les balance dans un utilitaire. Alors là-bas, ils aiment bien les C15 ou équivalent. Pour ceux qui connaissent, et ils balancent les branches dans l'utilitaire, ils vont faire un tour, si possible un endroit où il y a plein de bosses, où c'est chaotique, et du coup, bah, après, les fruits tombent directement comme ça des branches, et ça évite de se prendre des épines dans les doigts, parce que là, je sais pas si je peux vous montrer l'épine également, mais je vais faire gaffe quand même, parce que vous voyez ces épines là. Voilà, des épines très très virulentes, hein, des vraies aiguilles. Et ça, il y en a au bout des branches comme ça. Donc quand on vient chercher les fruits, ben, en fait, ils sont protégés par les épines. Donc il faut faire vraiment très attention. Vraiment, vraiment. Hein. J'ai eu le malheur un jour d'en récolter comme ça, en mettant la main assez franchement dans le plant. Je me suis retrouvé avec une épine sous un ongle. J'étais vraiment pas fier parce que c'est le genre de choses qui peut vous faire des infections quand il reste un tout petit bout d'épine. Mais bon, dans tous les cas, super fruit, super super fruit. Je ne le multiplie pas encore. J'attends justement, là c'est les premiers fruits que j'ai sur des plants qui ont 4 ans quand même. Hein. Donc c'est les premiers fruits que j'ai. Donc, ça sera un petit peu le moment de savoir si ça vaut le coup pour nous ici en Bretagne. Ah, les framboisiers. Bon, pour ceux qui suivent mes formations, ou j'ai dû vous le raconter peut-être également dans les vidéos, moi, les framboisiers, j'aime bien tous les tailler au printemps. Donc, que ce soit du remontant ou du non remontant, je taille tout très court au printemps, donc en mars, quoi, février-mars, pour justement avoir des plants comme j'ai là, qui poussent très vigoureusement à bois. Il ne me fait pas de fruits, puisque je l'ai taillé court, il n'a plus de possibilité de faire du fruit. Ou alors vraiment un tout petit peu en bas, si j'ai laissé un peu de branches finalement non taillées avec des parties fructifères. Mais globalement, il me fait surtout du bois, très vigoureusement. Et ça va faire du fruit après. Alors ça dépend des variétés, mais sur la partie remontante. Donc, potentiellement de juillet jusqu'à novembre. Cette année, il a fallu que je fasse des choix, j'étais en retard sur beaucoup de choses. Donc lui, il a bien été taillé, et puis ben, on voit qu'il y en a d'autres là, derrière, qui du coup, eux, sont sur leur partie production de juin, leur première production. Ils vont quand même pousser derrière, mais beaucoup moins vigoureusement que ça. Donc, personnellement, moi, les framboises de juin, je les aime pas trop. Je préfère les framboises d'été. Les deuxièmes floraisons, les deuxièmes fructifications. Donc je préfère miser sur des plants qui soient bien vigoureux, qui me produisent vraiment beaucoup de framboises comme ça. Parce que ça, là, ça va encore prendre un mètre avant de commencer à me remplir ça de framboises pour la partie remontante. Et il va vraiment y en avoir beaucoup, quoi. Et elles seront en plus, je trouve, meilleures. Bon, j'aurai quand même des framboises de printemps cette année, puisque j'ai pas taillé. Bon, alors c'est pas tout à fait un fruit, encore que... Je sais pas si vous savez, mais alors là c'est pas le cas, mais les rosiers, là on est sur un rosier type Damas, ça sent très très bon.
sera peut-être, si je développais la pépinière sur d'autres genres de production, je pense que les roses en feront partie. J'adore les roses. C'est pour l'instant quasiment les seules fleurs que, on va dire non fruitiers, quoi, que j'installe. Mais quand je dis encore que, vous savez que j'aimerais bien développer, enfin faire un peu d'églantier notamment, parce que l'églantier, ça fait un fruit qui s'appelle le cynorhodon. Donc l'églantier, c'est le rosier sauvage, en fait, le rosier un peu originel, sur lequel on greffe d'ailleurs beaucoup de variétés de rosiers, hein, pour faire des choses un peu vigoureuses. Donc là, celui-là n'est pas greffé, c'est une bouture de rosier de Damas, qui a quelques années maintenant. Voilà, j'avais envie de vous le montrer, puisque bah, quand même c'est joli, hein. Bon, vous n'avez pas l'odeur, c'est dommage. Si je pouvais vous mettre l'odeur dans les vidéos. Ça sent vraiment vraiment bon. Est-ce que vous connaissez les nèfles? Habité par des araignées. Vous voyez, ça c'est un néflier. Alors c'est pas un néflier du Japon, c'est un néflier vraiment de commun, quoi. Enfin, un néflier qui fait de la nèf fruit. Donc ici, je suis sur une variété à gros fruits. C'est un greffé. Et alors c'est marrant, ça fait un peu comme le cognassier, c'est-à-dire que ça fait ses fleurs en bout de branche. Quand la branche pousse, ça fait les fleurs en bout de branche. Et donc ça fait des fruits après. Alors la particularité du néflier, c'est que c'est des fruits qu'on mange blettes. Ça veut dire qu'il faut attendre qu'ils aient pris une petite gelée, donc en novembre ou décembre, pour venir les ramasser et pour les manger blettes. Blettes, ça, en fait, c'est pourri, hein, si on veut. C'est comme si ça pourrissait, mais ça reste tout à fait bon et comestible. Et en fait, ça se mange. Enfin, c'est comme de la compote, en fait. Ça fait une compote, en fait, le fruit. C'est assez intéressant. Parce que c'est une compote qui n'est pas cuite. Bon, si vous avez des abeilles à la maison, vous savez que c'est sûrement à peu près pareil chez vous aussi, hein. C'est en ce moment que les ronces sont en fleurs. Donc là, c'est la grosse floraison. Donc là, je suis sur les ronces sans épines notamment. Plein de belles fleurs. Bon, voilà, on voit déjà, il y a des premières mûres là qui se forment. Bon, sans épines, j'en fais un peu, j'en fais de plus en plus en vrai. C'est pas toujours évident à multiplier en fait. Donc il va falloir que j'améliore un peu mon système de multiplication parce que j'ai pas mal d'échecs. Voilà. Bon, après, quand c'est réussi, hein, mais j'aimerais bien réussir un peu mieux. Ouais, c'est une variété ici un peu plus précoce. Il y a déjà beaucoup de mûres en formation. Ah, les amandiers! S'il y a bien un fruitier qui, de base, on est très loin de s'imaginer le trouver en Bretagne. Alors, l'arbre en lui-même pousse très très bien. La difficulté, évidemment, en Bretagne, surtout en centre-Bretagne, c'est d'y avoir des fruits. Donc, bah, écoutez, pour l'instant, j'ai implanté. Ça pousse très très bien. Vous voyez, c'est très beau feuillage. J'ai hâte de voir les floraisons et puis d'avoir les fruits, puisqu'on est sur, je suis sur une variété là, notamment celle-ci là, qui est une grille, qui n'est pas un amandier pur et dur. Hein. C'est un croisement en fait. Un croisement d'amandes et d'abricots, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, on est sur quelque chose qui nous permet d'être déjà auto-fertile et d'avoir plus de facilité pour nous faire du fruit dans les régions pas trop adaptées, quoi. Et on y arrive. Ouais, là, je suis sur d'autres variétés d'argousier, toujours. Alors, l'argousier, d'ailleurs, deuxième chose, bon, là, il y a aussi des fruits, pas mal. L'argousier, chose à savoir importante, c'est qu'il vous faut des plants mâles et des plants femelles. Comme ça. Il vous faut ça, sinon, bah, c'est comme les kiwis, c'est comme certaines espèces comme ça de plantes où vous avez besoin de plants mâles et de plants femelles pour la pollinisation. Bon, bah, pour ceux qui suivent les vidéos, vous savez que c'est les périodes où on fait gaffe au désherbage, on fait gaffe à l'arrosage, tout ça, tout ça. Il faut que vos plantes puissent avoir une bonne hydratation, donc le désherbage aide à ça puisque ça limite la concurrence souvent des graminées. Les paillages qui vont avec, hein. Bah justement, les paillages, bah moi j'ai, ça y est, hein, je suis épuisé, si je puis dire. J'ai épuisé les tas de BRF. Je sais pas si on voit. Vous voyez, là j'avais 1, 2, 3 gros tas de BRF, si vous vous rappelez.
Là-bas, il me reste encore un peu mon BRF de l'an dernier qui va servir en paillage des pieds-mères. Il me reste encore à faire. Donc bah voilà, faites pas trop l'impasse hein, dans vos potagers, vos vergers, sur vos haies fruitières, tout ça. Surtout si c'est des jeunes plants. Important pour que ça s'implante bien, que ça se développe bien les premières années, que ce soit en forme, que ce soit vigoureux, que ce soit résistant. Il faut que ça puisse ne pas avoir trop de concurrence, surtout graminées les premières années. Donc vous désherbez, vous paillez bien, surtout vous leur mettez un bon mulch de couvert au pied. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un arbre fruitier, donc un jeune arbre, un petit sion, une petite tige de rien du tout, je mets 100 litres de BRF en première année de plantation. 100 litres, c'est 10 cm sur 1 mètre carré. Quand je fais ça, je suis tranquille quasiment pour un an, surtout si ça a été correctement désherbé avant. Je viens évidemment surveiller qu'il n'y ait pas de repousse de graminées surtout. Et grâce à ça, vous avez des plants qui s'implantent super bien, super vite. Vous gagnez des années, hein. Je vous l'ai déjà expliqué, mais vous gagnez vraiment des années sur la pousse de vos plantes. Hein. Donc voilà, dites-vous que c'est bien d'éviter de faire l'impasse, quoi. Bon, je vous ai fait un petit tour de la pépinière, vous avez compris que le catalogue il est quasiment prêt. Là, je suis en train de finir de compter ce que j'ai de disponible. Je suis en train de finaliser le catalogue. Dessus, il y aura tous les petits fruits de cette année, globalement les mêmes. Il y aura plein de pommiers, beaucoup plus qu'avant. Il y aura des pommiers à cidre, avec des variétés en plus. Il y aura de l'amandier, des pruniers, des nachis, des poiriers. Pruniers, j'ai dit. Des châtaigniers. C'est déjà pas mal. Hein. Et évidemment, de l'osier, hein, des saulosiers, ma petite collection de saulosiers qui vous plaît en fait. Hein. C'est cool parce que c'est. Moi j'aime bien. Hein. Franchement, l'osier, j'en mettrais partout si ça ne tenait qu'à moi. Donc, avec pas mal de variétés encore, hein, 5-6 à nouveau. Puis ça sera étoffé d'année en année. Donc, ben, je vous ai. Quasiment à tous ceux, en tout cas, dont j'ai l'adresse mail, je vous ai rajouté dans la mailing list. Ça, c'était le gros boulot que j'ai fait cette semaine parce que bah, j'avais quand même plus que 250 personnes à rajouter dans ma mailing list pour la lettre d'information. Donc, c'était un gros boulot parce que j'en avais par SMS, j'en avais par mail, j'en avais bah, les commandes clients, j'avais voilà, j'en avais de partout. Donc, c'était un gros boulot. C'est fait. J'ai plus qu'à préparer la lettre d'information, mais pour la préparer, il me faut le catalogue. Donc, ça va arriver. Mon objectif, que le catalogue soit prêt le 15 et que je vous envoie la lettre d'information le plus vite possible. Donc ben, merci de votre fidélité, merci de votre intérêt pour la chaîne. N'hésitez pas, pouce bleu, partage, et tout et tout. Et puis ben, vous allez bientôt pouvoir recommencer à me soutenir en me faisant bosser, en commandant bientôt les plants. Ça marche? Eh ben, à plus!